Good morning, Aleid, et nous serons aujourd'hui le Nishmat, Abraham, Mordechai ben Yitzhak, Befani, ainsi que l'Irfouat Arav Baruch, Shmuel ben Léa, et Léa, Batel et Shabbat, Shachol Israël, si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez la 5 minutes éternelle. Nous étudions Masechet Moed, Katan Perigvet Mishnahé. Mechapin et Aktsiyot, Bakash. Rabbi Yehuda Omer, Afme Abin. Mochre Perot, Ksut Vekelim, Mochrim Betzina, Letzorech Hamoed. Atsayadin, Vadashoshot, והגרוסות עושים בצנעה לצורך המועד. רבי יוסי אומר, אף הם יחמירו על עצמם. מחפין את הקציות בקש, on a le droit de couvrir les קציות, c'est les figues qui sont en train de sécher dans les champs, בקש, avec de la paille. Soit, quand on cueille les figues, ensuite, pour les faire sécher, on les laissait, on les cueillait, on les laissait comme ça par terre dans le champ. Le soleil tapait dessus pendant quelques temps, je ne sais pas si c'est un jour, en semaine, puis on récupère des figues séchées. Le problème, c'est que s'il va y avoir des pluies, ça risque de la faire pourrir. Là, il va y avoir de l'eau, ça va rester, ça va... Alors, quel était l'usage? Pour faire que l'eau ne va pas tomber trop fort, je ne sais pas exactement pourquoi, mais en tout cas, ils mettaient de la paille dessus, j'imagine que ça... Ils mettaient une petite quantité de paille, et puis, comme ça, l'eau, elle coulait ailleurs. J'imagine que c'est à peu près ça, quoi. J'ai pas travaillé dans les figues dans ma vie pour savoir, pour vous dire exactement à quoi ça sert de mettre des pailles, mais en tout cas, ça aide à protéger de la pluie. Ça, c'est l'avis de Tanakama. Rabbi Yehuda Omer, Afme Abin. Selon Rabbi Yehuda, il est même plus permissif cette fois-ci, Rabbi Yehuda. Le même Rabbi Yehuda qui était marqué dans la Mishnah Aleph et Bet, là, il est plus Mekel. Il te dit, même si tu veux, tu fais Me Abin. Tu fais un Ovi, une grosse épaisseur, c'est-à-dire, en fait, il permet même, il y a une meilleure solution en fait, pour éviter que la pluie, elle va faire trop de dégâts, c'est de ramasser toutes les figues, de les réunir, tu en fais un petit tas. T'en fais un tas, et là, donc, du coup, il n'y aura que les faces externes qui sont exposé à la pluie, qui risque de s'abîmer, là, tu pourras peut-être rajouter ta paille, que ça va couler. Mais, alors Rabbi Yehuda, il te permet même de le faire, tandis que Tanakama, lui, il te permet, non, tu mets juste le cache, parce que si tu commences à aller trop les rassembler, les gens, ils vont dire, ah, ouais, t'es surtout en train de prévoir ton travail pour qu'après les fêtes, tu vas les engranger facilement, t'es en train de travailler, en fait, pour après les fêtes. On parle de xiotes qui sont pas, bien sûr, que c'est pas, on n'a pas d'intérêt pour la fête elle-même. Soit parce qu'elles ne sont pas mangeables, soit parce que tu n'en as pas besoin, c'est pas le moment de les manger, elles n'ont pas encore fini de sécher. Et du coup, si tu vas faire trop de travail dessus, les gens ils vont dire, tu prépares en fait ton travail pour qu'après Pessah, ou après Soukot, peu importe, que tu auras moins de travail à le faire. Donc du coup, ça sera Rabbi m'interdit, tandis que Rabbi Yehuda, il permet malgré tout, puisque c'est pour le bien des figues. Mochre perot, ceux qui vendent des fruits, ksout ou des vêtements, vekelim et des ustensiles. Eh bien, mochrim betzina le tzorech hamoed. Alors là, je traduis d'abord, ils vendent betzina avec discrétion le tzorech hamoed si c'est pour le bien de la fête, pour le besoin de la fête. Soit en fait, la Mishnah me dit, ben, si tu vends à un, allez, à une boucherie, les gens ils ont besoin de vendre pour la fête. Tu as des vêtements pour la fête aussi, que ça peut se vendre aussi. Mais le problème, il est que toi, tu es un professionnel. C'est vrai que tu vas vendre pour les besoins de la fête, mais un professionnel, même quand il vend pour les besoins de la fête, il faut qu'il fasse une petite différenciation, qu'il n'ouvre pas de manière flagrante, trop violente. Il devra le faire betzina, discrètement. Ça veut dire quoi? S'il avait deux portes au magasin, il en ouvre une seule pendant que la deuxième, il la laisse fermer. Donc ça veut dire, venez prendre les besoins de la fête et comme ça, on ferme vite le magasin. C'est un peu le sentiment. Ne pas, on ouvre, on déballe tout, on sort tous les étalages et vas-y, on n'est pas... Non, il faut le faire avec beaucoup de... D'accord? En faire moins flagrant, quoi, plus discret. Autre sujet encore, mais sur le même principe, Atsayadin, les chasseurs, Vadashoshot, Vagarosot, qui sont deux types de personnes qui travaillent au moulin, en fait. Soit parce que tu, Dashoshot, il rapporte le Barthanoura, chez Dashin, Vekochim, Chitin, et Daïsa. C'est pas exactement Koumou, le blé, c'est qu'en fait, le blé, on peut en faire, à part de la farine, on peut aussi en faire de la semoule plus fine, on la concasse, ça s'appelle faire de la daïssa en fait. Et il y a garosot, c'est ceux qui font des garissim. C'est-à-dire cette fois-ci, c'est qu'ils prennent d'autres légumineuses, style des fèves ou des petits pois, et ils les concassent aussi. D'accord? C'est un travail de professionnel à l'époque. J'imagine qu'il n'y avait pas de machine, donc il fallait vraiment taper fortement pendant un bout de temps. Et bien, tout cela, aussi une médecine à l'Etzorech HaMoed, selon le même principe, ils pourront faire leur travail pour l'Etzorech HaMoed, c'est nécessaire. Tout le quartier a besoin de manger une soupe de pois cassés, donc il faut prendre des pois, les petits pois et les casser.
Et maintenant, ils en ont besoin pour manger, pour les fêtes. Et du coup, on a le droit de leur préparer, il n'y a pas de problème. Mais quoi? Betzina, de manière discrète, parce que selon mon principe, quand c'est un professionnel qui travaille, même si c'est pour les besoins de la fête, tu ne le fais pas de manière flagrante. C'est un principe qu'on a déjà vu plusieurs fois, si vous faites attention. En général, dès qu'on a pour les besoins de la fête, tu as le droit de tout faire. Mais quand tu es professionnel, tu fais, mais sans avec tout le professionnalisme. Tu fais de manière discrète. On avait vu pour coudre, tu devrais coudre avec chinouille, de manière non habituelle, au lieu de faire une vraie couture. Quand tu sais pas coudre, quand tu n'es pas un couturier professionnel, alors là, tu as le droit de coudre tout à fait normalement, parce que même ton normal, c'est un normal d'amateur. C'est ce qu'on avait vu, vous vous rappelez? Eh bien, on a, selon le même principe aussi, même là, tu as besoin de faire un travail pour le Chol HaMoed, tu ne le fais pas avec tout ton art et tous tes ustensiles, tu le fais de manière plus discrète. Quand tu vas le faire, tu pourras le faire comme il faut, sur l'action elle-même, mais de manière moins flagrante. D'accord? Et sur ça, on a Rabbi Yossi Omer, Afem Michmiru Alatsmam. Rabbi Yossi vient et me dit non. Il y a eu un usage chez les travailleurs de ne pas travailler du tout pendant Chol HaMoed, même quand c'est pour les besoins de la fête. Et Michmiru Alatsmam, ils se sont dit non, ils ne le font plus du tout. Même Betzina, ils avaient l'usage de ne pas le faire. C'est-à-dire, en fait, Rabbi Yossi nous dit que c'est vrai que selon la loi stricte, initialement, c'était permis, mais il y a eu un minhag d'interdire. Et sur ça, la halakha n'est pas établie comme Rabbi Yossi. On a le droit de travailler normalement, juste, sans, de manière discrète, si c'est pour les besoins de la fête. Ok? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.